En préambule, donc, je vous annonce que l'ensemble des supports, donc supports d'intervention de notre ami Jean-Pierre Casini, ainsi que les diaporamas qui ont permis d'animer les deux autres ateliers, seront la semaine prochaine à votre disposition sur le site de la Fédération. Ça va me permettre de faire peut-être une synthèse du cours de cours et tout loisir, si vous le souhaitez, pour aller regarder d'une part la complexité de ce qu'a pu nous exposer avec talent Jean-Pierre Casini dans son atelier sur le thème de l'actualisation fiscale et les difficultés croissantes de calcul pour la protection sociale du chef d'entreprise et de son conjoint et qui concernaient les autres ateliers, aussi animés avec clarté et talent par nos amis de la mondiale et de la G2Z. Bon, sur le premier atelier, effectivement, vous étiez tellement nombreux que ça nécessitait de retenir l'auditorium pour avoir vu tout le monde, de la commission. Merci de votre présence. J'espère que la qualité de l'intervention de Jean-Pierre Casimir a su répondre à vos attentes et que de plus, il a su, avec ce qui est difficile avec cette matière qui est la fiscalité, être clair et on est tous ressortis en pensant que parfois la fiscalité apparaît peut-être plus complexe qu'elle ne l'est vraiment, mais je crois que c'était dû quand même au talent de notre interlocuteur. Il a évoqué très rapidement les différentes évolutions législatives récentes, celles qui sont actuellement en cours, en axant plus précisément son propos sur la transmission d'entreprise et les dispositifs qui peuvent être consécutifs à cette transmission d'entreprise. Il a fait ressortir effectivement qu'à l'horizon d'une quinzaine d'années, on parle de 900 000 entreprises à transmettre. Il est clair qu'il ne faut pas qu'elles disparaissent. Donc, le législateur a mis en route plusieurs dispositifs d'exonération de plus-value. Hein, c'est outre l'aménagement par la loi du travail, le régime des exonérations prévues à l'article 151-7-IS, mais c'est aussi la loi Sarkozy qui permet une exonération des fonds de commerce cédés pour une valeur inférieure à 300 000 euros. Il nous a fait aussi, il a mis en avant les évolutions liées à l'imposition des plus-values, on va rester toujours dans le domaine de la transmission, donc exonération des plus-values, notamment des particuliers, avec, au sens du cours de sa part, un constat qu'on n'avait peut-être pas nécessairement tous fait. C'est qu'aujourd'hui, en faisant passer du barème progressif de l'impôt, la taxation à un taux forfaitaire, de ce fait, et on pense que c'est sûrement fortuit de la part du législateur, l'ensemble des plus-values sont taxées, parce qu'effectivement, ce qui n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu précédemment, voyez de fait les plus-values des particuliers exonérées, bien que techniquement, elles puissent ne pas l'être. Donc là, toutes les plus-values seront taxées à 27%, parce que là aussi, l'évolution de la sécurité sociale et des différents régimes de protection sociale est telle que le taux de 26% va progressivement passer dès l'année prochaine à 27%. Il a évoqué aussi la transmission des entreprises, je citais précédemment l'importance de ce chantier, parce que 900 000 entreprises en 15 ans, c'est un challenge national très important. Et M. Denis en avait effectivement parlé dans son intervention. Je pense que le législateur va continuer de faire évoluer les textes pour faciliter cette transmission. Bien. Deux autres thèmes qui ont été plus à caractère social. Donc le premier thème, c'était entrepreneur, comment préparer votre retraite. C'est un thème lié par M. Marty et M. Flight des sociétés mondiales G2R. Bon, ils ont fait ressortir essentiellement que la complexité croissante des régimes sociaux et de la protection sociale est telle que pour pouvoir bien mettre en œuvre les mesures nécessaires que vous souhaitez pour, au niveau de votre retraite, obtenir les capitaux ou rendre nécessaire de faire un audit social. Et de ces deux ateliers, il est ressorti que si
conflits sociaux sont très mis en place pour le chef d'entreprise, c'est très rarement le cas pour le conjoint qui travaille avec lui. Et je crois que des évolutions législatives ont peut-être une pierre à cet édifice. Je crois qu'il est indispensable aujourd'hui de faire un état des lieux, notamment de mettre en place les régimes sociaux nécessaires. Et il est important de ne pas découvrir des situations parfois catastrophiques, quand malheureusement des événements de la vie ou au moment du départ en retraite, on constate que le niveau des revenus va décroître de façon très significative. Quant au statut social de l'entrepreneur, simple constatation, tous les 40 ans, on a une évolution très, très significative du rapport entre les cotisants et les retraités. On parlait qu'en 1960, on avait 4 cotisants pour un retraité. En 2000, on avait divisé par 2 le nombre de cotisants, on avait plus de 2 pour un retraité. Par contre, à l'horizon 2040, nous aurions, les évaluations sont correctement faites, un retraité pour un cotisant. Je crois qu'il faut l'entraîner, le cotisant. Il faut voir qu'il travaille énormément pour que ceux qui sont à la retraite à ce moment-là puissent en profiter un maximum. Je crois que ces deux ateliers ont eu pour mérite de faire toucher du doigt parfois des constatations qu'il vaut mieux éviter de découvrir au moment de la retraite. Pour terminer sur cette synthèse, donc je vous rappelle, si vous voulez tous les transparents et thèmes, vous les aurez sur le site. Je ne veux pas terminer cette intervention sans évidemment remercier les animateurs pour la qualité de leurs interventions et la clarté avec laquelle ils ont suivi les débats. Et d'un autre côté, je souhaite évidemment remercier l'ensemble des membres de la commission qui m'ont suivi sur pied ces thèmes qui ont été plus au niveau de la commission.